Et yo, salut à tous, c'est Keys. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du PVP avec la classe Zobal pour jouer un mode multi avec le couteau champignon. Donc on va affronter un Upper Mage qui m'a l'air d'être terre au vu des dommages qu'il vient de me proposer dans le gosier. Donc après, à voir si ça va être vraiment le cas ou pas. On va plutôt opter sur un masque psychopathe, je pense. Mettre une petite flamiche avant sur ceci en espérant ne pas crit. Voilà, c'était forcé qu'on crit. Mais bon, c'est pas grave. On va s'exposer, mettre le masque de psychopathe. Faudra éviter que celui-ci lui donne des trop gros zones, mais clairement on sait qu'il va le faire. Oh, même pas. Monsieur est gentil, ok. Piège élémentaire, donc on va sûrement se faire des buffs illico. Voilà, moins la durée des effets, c'était totalement legit, hein. C'était forcé. Oh, la masse résistance. Oula. La masse res, wesh. Comment ça se fait? J'ai pas dû. Ah merde, ça c'est moi ça. Bouclier élémentaire. Oh, ok, très bien. Combinaison quoi? Au feu, moins fuite. Ok, très bien. Oh là, j'ai perdu tellement cher déjà de base. Il m'a débuff, non? Non, juste pris tarif, sa mère. Ok, très très bien. Juste pris extrêmement cher de base. On va taper directement. Ok, coup de cac dans les dents. On va faire ceci pour bien sûr surreculer, hein. Voilà, on lui pose. Bon, tant pis, un ébène. Qui X sort de l'état et Ben 4 agit. Ok, ça me va par contre. Ça reste quand même mignon et sexy. 2600 HP pour ce petit bonhomme. Il se prend le poison. Pas du tout Erk, mais bien sûr O. My bad. Glacier, ok. Bon, il va taper ceci, donc moi ça me va. À la limite, s'il passe dessus. Est-ce qu'il peut le détecter? Oui, sans aucune difficulté. J'avoue que c'était peut-être pas la meilleure solution pour moi de fuir du coup. Après, j'avoue que mes dommages sont divisés par deux, enfin mes dommages. Les points de vie que je perds sont divisés par deux, vu qu'il m'a pas désactivé à l'ivoire, donc ça fait plutôt mes affaires. Ok, il va sûrement se mettre un boubou sur le visage, 2700 HP. Répulsion, ah il va faire très. Ah non, même pas, il vient me chercher. Monsieur a faim. Monsieur a extrêmement faim, il vient me taper tout comme ça. Ok, bon, dommage, j'ai pas pu proc le P en plus, mais bon, ce n'est pas grave. On va taper ce tour-ci, on va clairement chercher à taper un maximum. Donc, petite flamiche. Il a combien de résistance terre? Il a que dalle de résistance agi. Très très peu de résistance agi pour ce frérot. Est-ce que j'ai bien sûr claqué une furia avant? J'ai bien sûr claqué une furia avant. Donc hop, petit sort agi, Gabriel. Coup de dague, coup de dague. On va le laisser à 308 HP, mais on lui aura retiré un petit PA. Ce qui fait quand même plaisir. Le poison, mais bon, poison haut, donc c'est vraiment pas très très important. C'est pas ça qui va faire la diff. Faut qu'il arrive à se régène. Se poser des boubous. Après, on peut clairement debuff des quelconques boubous. Libé, on a le plastron, le retour. Ok. Oh putain, s'il va sonner avec des petits sorts comme ça va être chiant quand même. Parce que si je peux le debuff et tout, ça te compromis. Sort de l'état feu terre. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Du coup, est-ce qu'il va pouvoir poser son sort feu et se donner des boubous? J'en ai pas l'impression. Ouais, j'en ai clairement pas l'impression. Très bien. Malheureusement, je suis désolé, mais j'ai la masse de CC. Donc même s'il m'enlevait 30, je crois, bon, 25 de CC, bah, ça ne fera pas l'affaire parce que j'ai beaucoup, beaucoup de crit comme on peut le voir. Vraiment très beaucoup. Et du coup, on va le tuer. Parfait. Et sur ce, bah, on enchaîne sur un deuxième combat. On enchaîne sur un deuxième combat face à un héliotrope full agilité. Donc, pas beaucoup de résistance agile, ce qui peut le mettre assez bien. On va mettre ce petit chat. Ok, bon, on va prendre la rince de dommage. Ça, c'est tout à fait legit. Hein, premier tour de jeu, c'est normal. Donc, on va grimace. Hop, si on peut bien sûr le poser. Petite grimace. Le plastron. On va se mettre le masque de coire. Et bien sûr s'avancer, mettre une petite aussi flamiche, ou faire même une petite brica, histoire de se booster et surtout bah, de charger un truc en plus sur l'ébène. Donc là malheureusement le petit masque qui donne une sale zone à front. Après, monsieur n'a pas l'air d'en avoir envie, donc tant mieux, ça fait nos affaires. Je tape combien avec ceci? 400. Ouais, ça reste quand même potable. Ça reste quand même potable. 152. Ah, il va sûrement partir au fond de la map. Forcément, il va repartir tout à bout. Ouais, il va fermer, sûrement les fermer, je pense. Même pas. Ah, si, ok. Très, très bien. Bon, on va s'exposer, s'avancer un petit chouïa, finir bien sûr sur ce portail-là. Histoire de se mettre plutôt bien. On a 7 PA. Aguilar, ça coûte 4 PA. On va plutôt mettre une apathie. Histoire de lui faire sauter un petit peu de PM. On va rester là-dessus, clairement. Pas besoin de bouger. Je vais pas mettre le masque psychopathe parce que je pense qu'on va sûrement rush ce frérot. T'es la masse recrit, hein. 76 recrit. Ok. Portail. On va repasser de l'autre côté. Il va falloir que j'aille jusqu'à là-bas pour le choper, du coup. Sachant qu'il va me retirer des PM.
Moins 1, ok. J'ai combien d'esquive? J'ai que 38 en plus de ça, donc je n'ai vraiment pas beaucoup, beaucoup. Bon, petite voix off, juste afin de vous dire que je vais couper pas mal de parties du combat, désolé, mais celui-ci est vraiment très très long car l'héliotrope est souvent parti en haut de la map, bas de la map, donc ça s'est joué vraiment à la longue. J'ai pu le taper par-ci, par-là, c'est ce qui a fait que je vais peut-être pouvoir gagner. De toute façon, vous le verrez. Donc désolé par avance si vous ne voyez pas tout le combat. Mais je sais juste essayer pardon, de vous mettre les moments où je taperai. Portail, ok, il repart de l'autre côté, mais là son portail est mal posé en fait. Faudrait qu'il revienne ici, il en repose un. C'est ce qu'il va faire peut-être? Ok. Raerie, double neutral. Je pense qu'on part sur ce genre de coup, faut juste qu'il me saute pas trop de peine. Oh putain. Là, il m'a trop enlevé là. C'est tragique, j'ai perdu trop de peine dans cette action là. Malheureusement. Je peux faire quoi? On est sur Nebuo. On peut le taper un petit peu, je pense. Hein. Ça se fait clairement. Des pommes en plus. On va faire un masque psychopathe. Je pourrais juste taper comme ça, mais je pense qu'on va y retourner. Hop. Voilà. Un petit coup de tiac. Faire quelques dommages. Ça fait toujours du bien. Hein. On va l'user. Hein. On va l'avoir petit à petit. Il se reprend qu'un coup de poison. On a pas mal d'HP. On a la relance du plastron. Donc on est pas mal du tout. Je peux pas spécialement le taper là. Je peux pas trop le taper. Aucune ligne de vue. Sauf si vraiment je nique tous mes PM. Ce qui est quand même pas mal chiant. J'ai pas Panthère en plus. Ça c'est dommage. Aguilar, faut vraiment genre qu'il y ait une. Ah putain, si j'ai ça. J'ai ceci. Hop, on va mettre ça là. Un petit Aguilar. Ça fera quelques dommages. Parfait. Histoire de lui casser un petit peu les couilles et de lui reposer aussi le poison. Ça c'est très très bien ça. Même si j'ai one shot Makawatt, c'est pas grave. Je peux juste apathie x2. À la limite, s'il faut. Quoique. On a combien de PA alors? On en a pas mal. Hein. On en a pas mal du tout. Est-ce qu'on va en profiter pour taper? En vrai, ce serait la meilleure des options. On peut taper. Après, je peux juste rush. Si je fais un masque. On va faire ça. Rush. Est-ce que j'ai un quelconque sort à 3 PA? 3 PA catalepsie, parfait. Hop. On va mettre des coups de corps à corps, moins 500. Moins 400. Oh, dommage, le petit 400 qui est dégueulasse. Après, c'est réécrit et tout, ce qui ne nous aide pas spécialement. Je vais vous la faire court. En gros, les prochains tours, c'est très simple. On a continué de jouer au chat à souris. Sauf que lui, s'est soigné. Et moi, bref, j'étais toujours dans mes boubous, tout ça. Et à partir d'un moment, ça m'a un petit peu saoulé. Je me suis exposé volontairement. Il m'a tapé. Et il a laissé volontairement son portail ouvert. Et du coup, bah, j'ai pu en finir avec lui. Double sermon, ok. Plus de PA de disponible. Ok, bon, bah, GG à lui. On n'aura finalement pas prévu mettre. De Bobo, heureusement, je viens de vous dire comme ça le combat se finit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer. Genre, Neben, ça passait. Désolé. Mais bon, on va tuer ceci. Après, je vois que j'ai un peu mal joué à certains moments parce que je m'en foutais un petit peu. Mais bon, GG à lui, en tout cas, c'est un beau match. Et on va le tuer à coup de dague, tout simplement. On est parti pour un troisième combat face à un Zobal. Donc, on va se plaquer le Bobo. Aller chercher ce petit zozo. Vraiment, on va s'exposer un petit peu. Histoire de lui poser quelques dommages. Alors cette fois-ci, il va falloir user pas mal Purgatorio. Hein, si on veut le niquer à la longue, ça pourrait être pas mal efficace. Histoire de lui debuff un tant soit peu ses boubous. Donc on va essayer de faire ceci. Hein, par exemple sur le masque ou même sur le Zobal. Ou tous les deux, s'il faut. On peut distribuer les claques à tout le monde. Donc le masque grimaçant qui va bien sûr nous rush. Donc on va essayer d'en profiter pour justement debuff la chose. Et même ce buff sur sa tronche. Donc hop, Purgatorio. On debuff un petit coup. On va taper deux fois également pour se booster également en dommage. Et on va passe tour. Après, je joue que la Purgatorio pour avoir enlevé ça. Clairement, c'était pas du tout efficace. My bad. Vu que je lui ai mis la piquette. Sauf The Ball. Est-ce qu'il va vouloir en profiter pour venir nous taper? Ça pourrait être pas mal du tout. Comme ça, je pourrais le taper. Par exemple, prendre un placement où je peux taper les deux. Ça pourrait être vachement efficace. On va faire exactement la même. Ok, pourquoi pas. Non, Furia. Ouais. Astéroïde, tiens. Ok. Bon, on se looter un petit peu. Le Furia, va falloir appuyer. Non, appuyer. Putain, je peux même pas mettre ma fougue, quoi. Est-ce que je bute ce machin? Je pense que oui, on va clairement buter cette chose-là. Même si on pose le poison dessus, c'est pas grave. On va mettre un double coup de cac. Hop, histoire de s'en séparer. Et on va reculer. On va pas spécialement s'exposer. 3800 HP, ok. Il a pris en érosion gratuite. Tant mieux. Bon, notre masque, il devrait clairement y passer. Ça, y a pas photo. Mon 600, hop, il le tue. Il va se faire quand même 5 PA, une petite flamiche peut-être, et venir me chercher, je pense. On va sûrement partir sur ce genre de délire. 5 PA, tiens, non, il va fuir. Il va préférer la fuite.
Est-ce que je plastron? Je pense qu'on va vraiment aller sur un tour de jeu très simple, basique. Hop, on va faire ça. On va venir le chercher, on va se plastron. On a quelques PA à claquer, on va faire ça aussi. Et passe tour. Ce zozo. En vrai, c'est trop chiant. Quand vous commencez premier en zobal, c'est pas du tout intéressant. Ça vous met un petit peu dans la merde. Est-ce qu'elle essaie de partir ou mettre des distances pour me dégager? 1 jaune 4, apathie. Oh putain, plus j'ai pas d'esquive PM. Lui non plus, tiens. Lui non plus. Mais lui, vraiment. 21. C'est vraiment très très peu. Il y a quand même 38 AJ. Putain, ça va être chiant ça. C'est pas nous faciliter la tâche. On a la bille. On va venir le chercher, tiens. On va lui poser quelques petits dommages. Cabriole. Hop. Lui poser un inferno. Tiens, ça peut être intéressant. Un petit inferno. En plus, ça, bon, tant pis, on lui pose les bennes de feu. J'avoue que j'ai pas fait attention à ça, malheureusement. Mais on le tape un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a ce boubou? Non, même pas. Bah, nous, ça nous arrange parce qu'il va passer clairement sur nos petits boubous de base. Donc, ça fait nos affaires. S'il souhaite nous taper. Sauf si, bien sûr, il se trans. Mais s'il se trans, je pense qu'on va privilégier une debuff. Même pas, on appuie. Il n'a pas crit. Dommage pour lui. Moins 319, ok. Un coup d'âge théoride. Rien de très très malheureux pour nous. Par contre, nous, en revanche, on a plein de PA. Et on va pouvoir s'amuser. Donc, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est mettre un coup de cac. Hop, le premier coup de cac qui passe en crit, 700. Le deuxième, A+. Et un appui qui va cesser également, je crois. Appui. Oui, il y a le sort d'appui qui a bien crit. Ce Zobal qui a 155 HP. Donc, malheureusement, il ne va pas mourir de suite. Hein. Le poison ne va pas faire autant. Pareil, même situation que tout à l'heure avec l'héliotrope. Là, le Zobal se trouve dans la difficulté, très peu d'HP. Du coup, technique qu'il va adopter, c'est que il va tout simplement se donner des boubous et fuir. Et ce que je propose juste, c'est de vous mettre à l'instant où je vais le tuer, car bon, pas mal de tours vont s'écouler jusqu'à que je le tue. Donc, hop, on met une Kawot ici. On va se mettre en masque de Quar. Et on va tuer ce petit Zobal. GG. Hop là, de coup. On part sur un Aguilar et on le tue. Bon, alors pour le stuff utilisé, on est sur un stuff assez basique, à base de 3 ou 2 double items. Donc double item Torquelonia, la cape plus la coiffe, avec un double item Triton, bot plus anneau. L'anneau de pas de greffe avec aussi une syntacée pour avoir le PA en plus. L'amulette du Strigide et les Sidophus, car que comme d'hab, hein, j'ai toujours pas de Vulbis, mais le petit habit qui fait quand même le café, vu qu'on joue souvent corps à corps, et du coup on peut proc un peu en plus. Avec ceci, un Cocult, la Magna et le couteau à champignons. Ce qui nous fait tout simplement 500 en agi et en force, 245 en puissance, 76 de CC. Ce qui nous octroie tout simplement là une chance, enfin, ouais, une chance sur 1 de CC avec le corps à corps. Et puis voilà. Du coup, c'était Keys. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.